Remercie vivement les Malaki Makongo qui a voulu songer et penser à adresser une invitation à Bundu Congo de participer à ce forum d'une grande importance historique. Longa Congo a dit, un peuple qui perd sa langue et qui oublie sa culture ressemble à un arbre déraciné, tôt ou tard fanera. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Malaki Makongo et tous les amis de Malaki Makongo vont ce jour vous faire découvrir de nouvelles choses. Ce jour, disons une semaine après la fin du Congrès des Congos, Malaki Makongo vous présente sa première émission Malaki Makongo Show dans le cadre de sa nouvelle télévision dénommée Malaki Afro Congo TV. Je suis le prince de Nsundi. L'émission est préparée, organisée par Malaki Makongo. Aujourd'hui, nous allons faire le point sur les premières impressions sur le Congrès des Congos qui venait d'avoir lieu les 26, 27 et 28 novembre. Maintenant, donc dimanche 5 décembre 2021. Nous allons faire le point de
les premières impressions, parce que nous avons un travail qui se fait en background, qui vous sera présenté dans les jours qui suivront, pour essayer de manière exhaustive de vous présenter ce que nous avons fait, ce que nous voulons faire dans le temps. Il y aura un livre qui sera produit, il y aura des vidéos qui vont arriver, le journal La Rumeur va aussi dire son mot à propos de tout ce que nous avons fait de manière tricontinentale entre l'Afrique, l'Europe et l'Amérique. Et Tata Nzingula venait de nous dire, Richard Nzingula venait de nous dire, ne nous arrêtons pas sur ces trois continents, il faut regarder du côté de l'océan Indien. Il y a aussi des Musundi du côté de l'océan Indien. Et Tata Nzambe Batelewo, Masundi. Aujourd'hui donc, nous allons recevoir un grand Musundi. Un grand Musundi. J'en ai rencontré à Cuba, les Musundi. Tata de Musundi, Aldo Durales, je l'ai retrouvé à Cuba. Mais il y a quelqu'un qui se dit Moana Nsundi. Je ne sais pas comment on peut dire ça en langue française parce que le vocabulaire issu du grec et du latin ne nous permet pas de dire certaines choses parce que ces choses-là ne peuvent se dire que. Ça, ce sont des choses qui sont nôtres. Ce monsieur, il va se présenter bientôt, mais avant qu'il se présente, nous allons, comme d'habitude, inviter les amis de prendre place parce que ça sera chaud aujourd'hui. Deux Moussoundi vont se rencontrer. Moana Soundi et le prince de Nsundi. Kabwebata, ah, Mpalafuma. Ça, c'est des choses qu'on ne peut pas dire en français. Mpalafuma, Mpasezebwa. You give a dog say. Entre-temps. Recommence! Recommence! Même si tu sens la fatigue. Même si une erreur te fait mal, même si une trahison te blesse, même si une illusion s'éteint, recommence. Recommence, même si la douleur te brûle les yeux, même si on ignore tes efforts, même si les larmes de l'échec coulent dans tes yeux, même si tu te sens incompli, recommence. Recommence, même si l'injustice semble toujours avoir le dessus. Même si tu sens la peur au plus profond de toi, même si les autres abandonnent, même s'il faut en payer le prix, recommence. Recommence chaque jour avec patience et amour. Recommence au jour des soleils comme au jour des tempêtes. Recommence avec amour et sans jamais te décourager. Recommence pour Dieu, avec Dieu, comme Dieu. Recommence pour ton peuple. Avec ton peuple. Recommence pour ton peuple, avec ton peuple, comme ton peuple. Voilà un peu. Les dés sont jetés. Nous allons donc retrouver notre cher ami. Nous allons retrouver notre cher ami Batota. Batota, c'est le seul nom que je connais. Le reste, il va nous expliquer que veut dire Guillaumet, que veut dire Amvouri. Tata Batota boa Outoshidi. Ouais, merci. Ntondele. Merci beaucoup à toute l'équipe Malaki Makongo,
Ça, c'est la deuxième fois qu'on se retrouve. La première, j'étais invité à votre grand rassemblement, deuxième congrès de Malakima Kong. Et voilà qu'aujourd'hui, on se retrouve encore. Pour moi, c'est une joie. Et bon, faut-il encore que je me présente? La question que je as posée tout à l'heure, Moana Moussou, on dit, oui, je suis Moana Moussou. Mais comment est-ce qu'il faut le dire en français? Ben, comme je l'ai dit la dernière fois que le français, nous devrons récupérer cette paternité de la langue française qui vient du latin. Mais le latin vient du Congo. Ce qu'on ne nous dit pas. Quand vous entendez prince, prince, ça c'est en français. Mais à l'origine, en arabe, on dit ben, les enfants, ben. Mais ben a pour racine bene, wowega bene, l'enfant qui est dans le sein, celui qui est au sein, le prince. Mais ça vient de Bala. Bala. Ce nom Bala, vous allez le retrouver en au Kazakhstan. Il y avait une tribu Bala disparue. Mais les peuples de Kazakhstan sont partis de la Mésopotamie, là où s'est éclatée la marmite de la Alors première. là, nous sommes déjà dans la pente, on ne va pas glisser, vous n'allez pas nous faire glisser aujourd'hui. Bien. Donc, Présentez-vous d'abord, s'il vous plaît, voilà, avant je qu'on me fasse présente, le ça second temps. c'est pour expliquer l'origine de Moana Moussoundi. Ah, Ah, mais ah. Moana Moussoundi. Donc, on peut le dire en français, puisque les Français l'ont récupéré. Hein? Donc, soyons communs, Tchanobataka. Voilà. Donc, Bato Tabanganga à l'origine, Bato Tab, c'est celui qui a été ramassé. Et un nom qui me porte bonheur aujourd'hui parce que je me mets à ramasser ce qui a été rejeté pour nous faire perdre les traces de notre identité. Mvouri, ça c'est un nom qu'on m'a attribué au Gabon, qui veut dire Mvouri tout simplement, l'animal ou la bête à cornes. Bato Tabanganga. Mon père, c'était Nganga Yamalingola. Et le père de mon père était Nganga, comme on dit aujourd'hui, psychologue. Donc, c'était quelqu'un qui soignait le mal ou qui guérissait le mal. Voilà les détails qui me reviennent aujourd'hui. Dès le jour où je me suis mise à dire, bon, il faut que je sache qui je suis, qui suis-je? Voilà. Dans ce questionnement, l'esprit grandit et je me mets à chercher qui je suis réellement. Mais les détails de notre identité sont dans notre mémoire collective. C'est ce que j'arrête pas de dire. Voilà. J'aime pas trop parler de moi, mais là, dans ces circonstances-là, je suis obligé. Moana Moussoundi. Longtemps, on m'a crié de dessus au départ quand j'ai commencé de dire Moana. Ah, mais pourquoi il dit pas que Moana Lari? Eh, je ne suis pas Lari, moi. Je suis pas Lari. Pourquoi je serais fou? Ok, avant d'en arriver là, commençons avant tout à Amvoury. Parlez-nous de votre jeunesse, parlez-nous
de la nation, parce que la nationalité gabonaise, Oui. parlez-nous, où est-ce que vous vivez, qu'est-ce que vous faites, et votre environnement, ainsi de suite. Ben, je suis un garçon qui a grandi, qui est né à Ouenzé. Ça, je l'ai su qu'après, dans la rue Osele, à Mongali. Après, j'ai plus grandi à Bakongo, non, à Makelele, quoi, au centre sportif entre l'école des filles, centre sportif rue Makita. J'ai fait mes études, centre sportif, avant que ça devienne école Mabia à la Manganga. Voilà. J'ai fait le collège Angola Libre. J'ai fait un tour après le collège. J'ai fait un tour au séminaire. Le séminaire, ça n'a pas été. J'ai été chassé, bon, parce que je posais trop de questions. Et je me retrouve à Kinkala. Donc, j'ai fait toute ma scolarité secondaire à Kinkala. Et comme je suis sportif inné, j'ai fait handball à Kinkala. Donc, si vous cherchez les handballeurs à Kinkala des années 80, 79 ou 80, Guillaume, c'était moi qui cassais la barrière de scolaire du collège Kinkala parce que à cause des coups de boulet, quoi. Et de là, j'ai joué aussi à Diable Noir. Et de Diable Noir, je suis allé à Lubomo. Lubomo, j'ai joué à Petrosport. Voilà. Et de Lubomo, voilà que j'embarque pour le Gabon. Voilà. Et du Gabon aussi, j'ai vite été adopté là-bas. J'ai eu mon premier fils avec une famille Bambamba, sans le savoir que nous étions, que nous sommes parentés, en fait. Voilà. Et ça, je le découvre dans les détails que je retrouve de mon identité. OK. Voilà. Donc, Et de là-bas, pardon. vous vous retrouvez donc au Gabon. Voilà, je me Et retrouve au Gabon. là, vous êtes à Libreville? Non, Libreville, j'ai fait une année. Oui. J'ai joué au CSB et du CSB, je suis allé à Port-Gentil. Port-Gentil, j'ai joué à Oprague. Et c'est à partir de Port-Gentil où on va m'attribuer la nationalité gabonaise, juste par rapport au sport. Et c'est là-bas aussi que j'ai eu mon premier fils avec une famille Bambamba. Donc, il fallait creuser, comprendre qui étaient ces gens-là. Mais ils m'aimaient tellement. Un jour, une des grand-mères me dira, Lumbuya Kenginda Kwaku Betona Benunzilmoshi. C'est un détail qui m'a marqué. C'est-à-dire. Une façon de me dire que c'est entre nous. Lumbuya Kenginda Kwaku Gabon Betona Benunzilmoshi. Une femme Bambamba qui te parle Kikongo ou Kituba. Hein? Mais quand elle me dit ça, je suis avec sa petite fille. Hein? Et vraiment, je me suis senti protégé, très encadré. Et c'est quand je quitte le Gabon, je me retrouve en France, que dans mes recherches, je dis, mais tiens, ce sont mes parents, en fait. Les Bassoundi, le long du fleuve Djoué, ont eu des liens de parenté. Hein? Mes parents Soundi ont eu des enfants avec une famille Bambamba. J'avais un parent qu'on appelait Ndambani.
Et quand vous allez au Gabon, vous retrouvez le nom d'Ambani qui a été franchisé. On a enlevé le N. Dieu d'Abani. Voyez? Maintenant, c'est en Europe ici. Vous savez, c'est comme on dit, on est mieux chez soi. Je suis arrivé en Europe, je ne me sentais pas vraiment à l'aise. Je dis, bon, je vais travailler et repartir là où je suis né, mais je n'irai pas à Brazzaville, j'irai plutôt au Gabon, parce que je dois rendre au Gabon ce que le Gabon m'a donné. Et là, les troubles du Rwanda commencent. Je dis, parti, comme c'est parti au Rwanda là, ça va arriver du côté Kinshasa. Si ça arrive du côté Kinshasa, Brazzaville ne va pas échapper. Mais si ça traverse le côté Brazzaville à le Gabon, et au moment où je suis en train de dire ça, les larmes aux yeux, je perds mon passeport, je ne voyage plus. Qu'est-ce qui a fait que je reste coincé ici? Et par rapport à ce drame-là, je commence à me poser une grosse question, mais qui suis-je? Vous êtes coincé où? Jusque-là, vous n'avez Mais pas dit. ici en Europe, on est coincé. Dans quelle ville? Ah, je suis à Lille. Ah, d'accord. Donc en Voilà. France, dans le nord de la Voilà. France. Je suis en France, au nord de la France. OK. Mais arrive un moment où il va falloir retourner là où on est né, finir, vivre ces derniers jours là où on est né. Hein? Comme on dit, Bubwana Musongi wa Buisangori. Teizagatamana Kuzuluba. Ceux qui nous ont fait croire que l'Europe, c'était le paradis. Ben, je dirais que le paradis, c'est là où je suis né. Hein? Et voilà que le système, les conditions sociales, géopolitiques nous privent de retourner dans notre paradis. Et dans ce errement-là, on se pose des questions dont les réponses tombent comme ça, comme s'il y avait une force intérieure, invisible, qui te parlait, qui te Alors, donne les questions aux réponses que tu te poses. qu'est-ce que je vois dans votre dos? Là, c'est en quelque sorte le souvenir de mon premier livre que j'ai écrit. Ah. Muntu qui l'aurait pu être, Takiti Baba Antu. Waketi Ah, Bansi Takiti Baba Antu. Bouabouné. Vous pouvez nous le présenter une fois de plus? Le livre Montu qu'il aurait pu être, Juste c'est la un livre. couverture seulement, la couverture, Ah, d'accord. la couverture, oui. Voilà. Montu qu'il aurait pu être. C'est Donc il y a le exactement. léopard. Voilà. Donc, le ciel, c'est la peau du léopard. Oui. Et plus bas, c'est le fleuve Congo. OK. Alors, où est-ce qu'on peut trouver le livre, s'il vous plaît? Bon, le livre est en fin de production, donc j'ai fait exprès de stopper la production. Il fallait le corriger, encore une fois, la correction a été faite. Maintenant, il reste maintenant à rééditer et vous le retrouverez à la Fnac, Amazon. Ben, je ne savais pas, il y a un jeune qui a cherché ça il y a 2 ou 3 mois, qui l'a retrouvé à Amazon. Donc, c'était les derniers. Hein? Mais en tout cas, d'ici là, 2 ou 3 mois, ça va sortir. Alors, avant de Et rentrer dans le livre, parce voilà. que quand vous dites un Muntu qu'il aurait été, Qu'il aurait pu être. qu'il aurait pu être, Oui. alors vous allez nous expliquer pourquoi le Muntu n'est pas ce qu'il exprime dans
ça c'est mon tic, l'être dans sa puissance. Non, ce qu'il aurait pu être. Bon, avant donc d'arriver au Muntu, j'ai voulu vous poser ces questions de telle façon qu'on puisse dresser le décor. Parce que, je dois le dire, le monsieur qui est devant nous, c'est un monsieur à problème. Le monsieur qui est devant nous, tout le temps qu'il ouvre sa bouche, moi je perds mes pédales. Je me dis, mais où est-ce qu'il nous amène? C'est ce que nous allons découvrir aujourd'hui. Mais avant cela, j'aimerais qu'il dise un mot sur le congrès des Congos, le deuxième congrès qui venait d'avoir lieu. En tout cas, merci encore une fois. Oui, j'ai été satisfait, plus que satisfait même. Parce qu'aujourd'hui, quand on nous parle de l'unité, ce n'est pas un mot qu'on balance comme ça. L'unité vient tout seul. Vous avez fait la démonstration à travers l'émission. Vous avez rassemblé les Congos des quatre coins du monde. Et ils ont répondu présent. Voilà l'unité. À aucun moment vous avez crié ce mot unité. Mais à travers votre organisation, votre fête, le congrès que vous avez mis en place, ceux qui ont répondu présent ont manifesté cette volonté d'unifier tous les Congos éparpillés de la terre. Voilà ce qui m'a plu, en dehors du fait que j'ai entendu quelques-uns, oui. Mais pour moi, le plus gros des détails marquants, c'est l'expression que j'ai vu, moi, que j'ai lu à travers l'émission, l'unité, ce que nous cherchons. Donc, nous cherchons l'unité. Nous cherchons l'unité. Alors que de fond en comble, tu es la division personnifiée du peuple Congo, de fond en comble. Tu es la division personnifiée, même des gens du pool. Je ne sais pas comment te qualifier et je sais qu'il y a des gens qui vont rire quand je le dis, mais je sais de quoi je parle. Oui. En tout cas, vous serez le premier. Que vous trouvez dans la division des Congos. Où est-ce que ça va vous amener de diviser les gens? Nous avons, avec l'évolution du temps, même ce qu'on appelle les Français aujourd'hui, ce n'était pas des Français. La France elle-même, la langue, c'est au 9e siècle qu'elle est arrivée. Et petit à petit, les communautés se forment, les communautés se soutiennent, les communautés vivent et vont de l'avant. Et ce qui est vrai pour la France, c'est bien pour les autres nations aussi. Au Congo, il y a des gens qui se sont regroupés, qui se sont retrouvés plus ou moins à Brazzaville, la population a grandi, ils se sont mélangés, ils se sont jumelés et ça a créé ce qu'on appelle la population Lari. Et je me rends compte que tu es la division en puissance. Quel est ton problème avec le peuple Congo? Alors là, nous sommes partis. Mais avant que vous ne répondiez à cette question, parce que là, c'est une provocation, j'aimerais que vous entendiez ceci, s'il vous plaît. Yéangé,
Bena Congo, Bena Toto, Lando Moyo, Yange Yena Nema Congo, Nzila Zembo, Mwetete Mupepe Ntemo, Tia Loa Maza Ntoto, Monoyi Bena Zola, Bena Congo, Yulu, Bahu, Nzilandangu, Kulu, Nsaku, Zulu, Mpanzu, Bena Mpangu, Mbakulu Matatu, Yange, 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 Eno, Yange, 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 Eno, Yange, 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 Eno, Mbonja Velera, Enza, Enziga, Mbonja, Mbonja Congo, Bakulu Matatu, Mtata, Yange, 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 Kieno, Monoyi, Bena Kachupa, Bena Zola, Bena Congo, Bena Ntoto, Bena Moyo, Yange, 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 Kieno, Yeto, Bena Toto, Yeto, Bena Congo, Yeto, Bena Kachupa, Bena Zola, Bena Moyo, Bena Ntoto, Yange, 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 Kieno, Yange, Kieno, Yange, Kiendo, Bena Moyo, Bena Toto, Bena Kachupa, Bena Zola, Yako, Bena Moyo, Bena Toto, Bena Congo, Bena Moyo, Yako, Bena Zola, Matando, Matando, Bakulu Banunga, A Congo, Matando, Matando. Voilà, ça c'est notre sœur Clotilde Ipap Sirdef. Elle est comme, elle vient de le dire, elle est en train de nous suivre, elle vient de dire, elle aussi, elle est bloquée en France. Elle est coincée en France. Elle est née en Guadeloupe, elle recherche son Afrique et elle est en train de crier à haute et intelligible voix, Yenge, 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 Yenge. Unité, bien-être, vivons ensemble. Bien. Kwebeto et Boubataka. Nzonzi. Ntumbu yikwe yende nandi kachiba kwako. En termes simples, que le grand conseiller, il marche avec les aiguilles pour coudre tout ce qui est déchiré à gauche et à droite. Mais pas un coupe-coupe pour ne faire que couper, couper, couper. Alors, vous avez quel problème avec les Congos? Pourquoi j'aurais un problème avec les Congos alors que moi-même je suis Congo? J'ai un souci. Mon souci est de retrouver l'historicité qui fait mon identité. Ça veut dire que si moi j'arrive à retrouver mon identité, ça sera aussi idem pour les autres Congos. Nous sommes donc identiques. Mais qui n'est pas Congo, c'est celui qui refuse de corriger là où nos ancêtres ont fauté. Nos ancêtres ont fauté à quel niveau? Trouvons la réponse ensemble. J'aime pas souvent quand on compare notre façon d'être ou notre vouloir
faire avec la France, par exemple. Qui connaît mieux l'histoire de la France pour l'adapter à nos solutions, à nous? Et d'abord, qui est la France? Qui sont les Français? Qui sont les Français? Ça, c'est une grosse question que je ne voudrais pas soulever ici. Mais si je prends l'exemple du Congo aujourd'hui, disons les choses telles qu'elles sont. Quand on dit une nation a une histoire. Une nation qui a deux histoires, c'est une nation composée au profit des politiques. Mais moi, je ne fais pas de politique. Il y a une chanson que mes parents chantaient. Mita yirikiri ni mio mitukari la. Aya ya bobu tu sabo, ambe timbari chifuanana. Mita yirikiri ni mio mitukari la. Mais c'est un code. Les parents nous n'ont jamais raconté, ils nous ont jamais raconté ce qui s'était passé exactement pour avoir composé ce chanson plein de regrets. Mita yirikiri ni mio mitukari la. Mais ils ont fait du mal à qui? Pour voir que ce qu'ils ont fait, ça fait un boomerang. Voyez-vous? Il y a un contentieux, je dirais, entre nous dans les Grands Lacs. Vous savez, quand j'étais enfant, moi, j'ai une grosse cicatrice au dos. C'est un père du quartier qui m'avait blessé. À coup sûr, il voulait me tuer si ce n'était pas l'intervention des voisins. Mais ma grand-mère, ce n'est pas les moyens physiques qui lui manquaient pour se venger. Elle a vite étouffé le problème. Et ma grand-mère m'a dit, tu vas te faire soigner, mais surtout n'en parle pas à ta mère. Jamais n'en parle pas à ta... Ma mère, quand elle était jeune, on l'appelait Yungimisa. Je l'ai même vue à l'œuvre. Ma mère faisait du manioc. Elle a acheté son produit brut à Yoro. Mais une fois... Elle a fait boire l'eau de Yoro à une femme qui se moquait d'elle. Voyez? Ça, c'est un détail. Une goutte d'eau dans le grand contentieux dont on ne nous parle pas. Mais mettons tout à table. Réconcilions-nous, surtout nous, les enfants qui cherchons l'unité. Moi, j'ai grandi au nord, j'ai grandi au sud, j'ai grandi à l'est, j'ai grandi à l'ouest du Congo-Brazzaville. J'ai des frères au nord, j'ai des frères chez les Teke. Je porte un nom, Bambamba, contrairement à ceux qui pensent que c'est un nom Teke. Où est le mal à dire que Mfoua n'est pas Teke, mais Mfoua, c'est un Obambamba? Où est le mal à dire que les Bateke sont les premiers à avoir hissé le drapeau français? Où est le mal à dire que le Lali est une expression Teke qui veut dire fou? Certes, il y a des vérités qui ne sont pas bonnes à dire, mais dans ces vérités qui ne sont pas bonnes à dire, le mal n'est pas là-dedans. Quelles sont alors les vérités qui sont bonnes à dire? Moi qui cherche l'unité. Mais pour embrasser l'unité, il faut d'abord conjuguer une forme de conciliation.
Quitte à payer les fautes de mes parents, je le ferai. Donc, je ne suis pas là pour diviser, mais je suis là pour dire, j'ai-t-on cherché un chercheur qui est du côté de l'Angola, que j'ai apprécié. Mais je me suis détaché de lui lorsqu'il me dira que dans le Congo, il n'y a pas de mythologie. Moi, je cherche le côté réel de notre histoire pour rétablir notre historicité. Mais nous sommes beaucoup plus dans la mythologie, mes frères. Voilà là où la division se crée entre ceux qui veulent préserver la mythologie Congo, où l'identité n'est que du superflu. Contrairement à moi qui cherche les faits réels du Congo pour rétablir notre identité. Et voilà que je suis un chemin qui m'ouvre une grande porte montrant que toute l'Afrique était Congo. Et je le dis. Ça commence. La division est où là? Ça commence. Toute l'Afrique est Congo. Bien sûr. Moi, na musundi, tout est musundi. Tout est soundi. Oui. Tout est soundi. Non, c'est pas que tout est soundi. Non, que je dis pas que tout est soundi. Dans les Congo, il n'y a pas que les soundi. Il y a les Bayaka, il y a les Bayombe. Hein? Il y a les Teke qui ne veulent pas se reconnaître Congo. Dites, posez la question à un Teke, il est Congo, il dit non, moi je ne suis pas Congo. Mais si tu n'es pas Congo, mais que fait le tapis de peau de léopard au pied de la chefferie Teke? Voyez-vous? Hein? Mutengunu, Mukongunu, Mulongunu. Bien. Hein? Betuba kuluba la bango. Nous sommes tous dans cette culture Congo. Aujourd'hui, on est en train. Mais ce qui se passe dans le Poula va s'étendre jusque dans la Bouenza, dans le Niari. Donc, crions pour prévenir nos frères du Niari que eux aussi, ils sont soumis, qu'ils fassent attention, qu'ils ouvrent les yeux. Ce qui est en train d'arriver chez nous, les soumis du Poula, les Badondo aussi sont des soumis. Ah, ben. OK. Moi, je sais que toi, tu vas me diviser. Moi, je suis dans l'unité. La division est où? La division. D'où viennent les soundis? Je ne fais que crier pour ouvrir les yeux à mes frères qui s'ignorent. Non. Quand tu dis toute l'Afrique est Congo. Ah. Oui, mais je dis que toute l'Afrique est Congo, mais la division est où? Non, parce que quand même, comment peut-on s'approprier de tout ce que sont les autres, de toutes les cultures des autres? Et tout ça, c'est moi. Alors, d'où viennent les soundis? Commençons par là, parce que moi... D'où viennent les soundis? Les soundis sont les descendants de Sunda à partir du Soudan. Donc, ils ne viennent pas de l'Égypte, ils ne viennent pas de l'Éthiopie. Ce sont les descendants des peuples du Soudan, les soundis. Soudan, c'est un nom franchisé qui, en Congo, veut dire Sunda. Nous savons tous ce que veut dire Sunda. Sunda, c'est une naissance qui se produit par les fesses. Une naissance naturelle, normale, l'enfant sort la tête en avant. Mais quand un enfant vient au monde les fesses en avant,
On va l'appeler Nsunda. Voilà. Donc, les Sundi sont les descendants de Nsunda. Et dans ces Sundi-là, a été greffé une partie de Bayaka, une partie de Bayombe, une partie de Bembe, une partie de Bambamba. Ce que tout le monde ignore. Presque. Voilà. Donc, les Sundis ont bénéficié du modernisme méroïtique. C'est pour ça qu'ils ont été choisis de descendre dans les Grands Lacs. Ils s'est monté un royaume pour relever la culture Congo tombée à Méroé. Une fois que le royaume fait, le Soudan allait retrouver sa position impériale. Voilà l'origine des Sundi. Et lorsque je dis qu'ils ont bénéficié du modernisme méroïtique dans les Grands Lacs, vous ne trouverez pas les d'autres peuples qui ont des, ce qu'on appelle les villas, mais en français, des confréries. Bisindamba, Bisinsembo, Bisikawunga, Bisingombe, Bisin Tuma, Bisingandu. N'importe où que vous allez dans le Congo, vous croisez un Congolais qui vous dit même Musinsembo, c'est un Sundi. Vous croisez un Mudondo qui vous dit même Musindamba, c'est un Sundi. Jusque dans la région de Ouiji, là-bas, il y a des Ndamba. Ce sont des Sundis qui sont descendus, qui ont suivi le long du fleuve. Et le royaume a été fait par les Sundis. Ce sont les Sundis qui ont organisé. Mais dans le royaume, il y avait les Bayaka, il y avait les Bayombe. Ce qu'on ne nous dit pas. Ben, il faut ajouter à ce que nous venons d'entendre le fait que Saoud, en langue arabe, Arabe Saoud, Arabie Saoudite, Arabe Saoud, c'est l'arabe oui. Noir. Donc en Arabie Saoudite, l'Arabie Saoudite était gérée par des grands généraux noirs, Arabe Saoud. Et oui. Le Saoud qui donne le Soudan, le Saoud qui a donné le Soudan, même si je me gratte la tête, mais c'est pas loin du Sundi. Alors, comment ils ont fait pour partir du Soudan jusqu'en terre, ça c'est les couches, jusqu'en oui. terre Congo, par où ils sont passés? Mais qu'est-ce que vous appelez terre Congo? Terre Congo, voilà, moi c'est pour ça que je dis, cessons de réduire, de cantonner la culture Congo dans une région. Non. La culture Congo a civilisé l'humanité. C'est la première culture civilisatrice du monde. Les concepteurs du monde, ce sont eux, les Congo. Maintenant, si vous parlez des Arabes noirs, oui, parce que je suis obligé d'aller plus haut. Les peuples dits noirs aujourd'hui, qui descendent de la Mésopotamie, surtout les peuples de Kouch, ils sont passés par l'Arabie Saoudite. Parce que de l'autre côté, c'était occupé par les Noirs de Misri, qui étaient aussi Congo, mais qui voulaient se détacher. Donc, eux, quand ils sont arrivés les premiers dans le Nil, dans le bas du Nil, ils ont occupé la Palestine. Donc, les pays des Cananéens étaient les métropoles de l'Égypte antique, dont la royauté était la Douma.
Donc, quand les Kushites descendent pour rentrer dans le continent africain, il fallait qu'ils traversent la mer Rouge. Mais il y a eu des restes là-bas. Donc, ces restes-là, ils se sont construits là-bas, devenus des Arabes. On parle seulement de l'Arabie saoudite, mais le nom Yémen vient du mot Maïma. Ça commence. Regardez, j'ai ce livre-là, une chronique mésopotamienne, contrairement à celui-ci, qui sont les chroniques mésopotamiennes. Mm-hmm. Mais ça, c'est une chronique mésopotamienne. Mm-hmm. Dedans, quand vous lirez ce livre-là, ce qui se passe dans le pool, de la façon dont on massacre les peuples de la Syrie, de la Turquie. Syrie, Turquie, Iran, Irak et Turquie, les premiers peuples étaient des Congos, devenus arabes. Et c'est cela qu'on est en train d'effacer. Lorsque vous lisez que ce livre, Le Messie de Darfour, écrit par Abdelaziz Baraka Sakina, la destruction de Darfour, de la façon dont ça se passe, c'est exactement ce qui se passe dans le pool. Mais il y a des détails qui n'échappent pas à l'enfant Congo qui devient tatillon sur les expressions que nous utilisons. Par où sont-ils passés? Mais ils ont traversé, il ne faudrait pas oublier que quand vous regardez l'Égypte, on parle du haut Égypte et du bas Égypte. Mm-hmm. Le bas Égypte, ce sont les Égyptiens antiques, les descendants de Misri, dont les enfants sont ceux qui sont allés faire l'Afrique de l'Ouest. Le haut de l'Égypte, ce sont les Kushites, qu'on appelle les Nubiens. Donc, à partir de la Nubie, tout le territoire éthiopien, le Soudan, Djibouti, et vous descendez Kenya. Vous allez vous allez rencontrer les Bayaka qui descendent. Mais avant les Bayaka, c'était les Bayombe. Voyez-vous? Voilà les peuples autochtones évolués qui ont fait tous ces pays-là, Éthiopie, Napata, Meroé, Soudan, jusqu'à arriver dans ce qu'on appelle aujourd'hui Congo d'Antotela. Mais où sont passés les Bayaka, où sont passés les Bayombe? Aujourd'hui, c'est le tour des Basundi. Et sans oublier les Lunda. Bien qu'ils n'ont pas fait le royaume, mais c'était aussi des Congos. Voyez, voilà le peuple de Kush. Tout ça, tous ceux qui sont à partir dans le subsaharien, ce sont les descendants de Kush. Et Kush n'était pas seul, mais comme il était majoritaire, on appelle que Kush. Alors, chers amis, voilà un peu ce que je n'aime pas avec notre frère Guillaume Batota Amvui. Il nous mène en bateau, il nous dit des choses
impossible, incroyable à comprendre. Mais, si je vous mène en bateau, ce n'est pas un bateau de galère, c'est un bateau de plaisance dans lequel nous devrons piloter pour mieux comprendre qui on est. Ok. J'écoute, j'aime bien vous écouter. Et pour ceux donc qui viennent de prendre la balle au bon, nous, c'est Malakima Congo, c'est notre télévision, la télé tricontinentale Malaki Afro Congo TV. Et tous les vendredis, donc, Malakima Congo, au travers de cette télévision, tous les vendredis, Malakima Congo, tous les dimanches, Malakima Congo vous présente la télévision Malaki Afro Congo TV vous présente notre émission de tous les dimanches, Malaki Makongo Show. Et aujourd'hui, donc, nous avons invité un frère, un ami qui est en train de nous surprendre, simplement parce que, contrairement aux intellectuels qui ont lu des choses et qui les répètent, qui se mettent à le répéter à leurs élèves, à leurs enfants, lui, il va sur le terrain. S'il ne va pas sur le terrain, au moins, il part de la linguistique. Il part des noms. Il part de la langue pour essayer d'expliquer plein de choses. Donc là, il vient de nous dire que les Sundi viennent du Soudan. Soudan qui veut tout simplement dire Saoud. Noir. Sunda. Sunda. Hein? Sunda. Sunda. Les Arabes ne viennent qu'après. Ça, c'est. Il n'y a même pas longtemps qu'ils sont. Voilà. Ils sont venus. Voilà. Même là. Quand j'ai commencé à dire que les Sundis viennent du Soudan, j'ai mon grand frère propre qui m'a crié de dessus. Mais le Soudan est arabe. Oui, mais il y a le Soudan est arabe. Mais l'arabe, c'est un descendant de Kouch. Hein? L'arabe, ambe arabe moana Kouch. Hein? Donc, les Congos existaient là bien avant que l'arabe ne soit né. Alors là, il faut vite l'arrêter parce que sinon, il va nous mener encore en bateau. Et pour l'arrêter, on va faire appel à un autre ami qui a pris part au congrès des Congos. Il a pris part au congrès des Congos, le deuxième congrès des Congos. Il s'agit d'un savant, un savant Congo. Il est au Congo Brazzaville. Écoutez-le pour savoir un peu, pour mettre le pont, faire le pont entre ce que je suis en train de dire et la personne que vous allez écouter. C'est un savant. Mesdames et messieurs, chers frères et sœurs, Mboté, je vous salue et je suis heureux en ce premier jour de m'adresser à vous qui êtes connectés et aux autres qui ne sont pas connectés, les descendants Congo. Heureux parce que Dieu, Zambiampungu Tulendo, en nous dispersant à travers le monde, nous a livré le monde. Dispersés dans les quatre continents, nous sommes les seuls à connaître les autres peuples que eux ne nous connaissent. Il ne nous reste que de nous mettre ensemble et de mettre ensemble ce que nous connaissons au profit de la suprématie de notre peuple. La France a utilisé ses différentes colonisations par les peuples romains, grecs, turcs, disons ottomans et arabes, pour bâtir une nation forte. Les peuples anglo-saxons de la guerre des Cent Ans, que leur a livré la France et les pontifes romains réunis, les peuples anglo-saxons, disais-je, ont créé la nation la plus forte du monde, les USA. Que devrions nous faire de notre colonisation et traite négrière,
se fédérer. 1. Se fédérer, fédérer nos forces pour parler à tous les peuples en français, en anglais, en espagnol et portugais, pourquoi pas les chinois et le russe. 2. Mettre nos intelligences et connaissances reçues pour créer la plus grande école du monde avec des programmes non au service de la France, la Grande-Bretagne, les USA, mais au service de la nation Congo dispersée à travers le monde. Mettre nos maigres moyens pour soutenir les plus créateurs pour marquer la suprématie, comme le dit Dury. La suprématie d'un peuple ne dépend pas des discours à fracas, mais du travail silencieux obstiné de quelques hommes de lettres, des sciences et d'art. Ce n'est plus à la France, la Grande-Bretagne, à l'Union, aux pays de l'Union européenne, à la Chine, la Russie, ou aux USA, au Canada, de reconnaître et primer les nôtres, mais à nous-mêmes de le faire. Eux, ils le font pour leurs intérêts et frustrer les plus méritants des nôtres. C'est vrai qu'il n'est plus possible de bâtir une république au Congo, mais c'est possible de bâtir la nation Congo, comme le peuple palestinien, une nation sans terre. Au 4, construit une spiritualité Congo, source de liaison avec Nzambiampongo, comme le peuple bré dans l'esclavage de plus de 400 ans en Égypte a généré la plus grande religion du monde, le judaïsme. Ensuite, le christianisme et le plus grand mysticisme, la Kabbale. Mon message aujourd'hui s'arrête là. Demain, je vous parlerai de comment nous avons construit le monde. Nous avons été réduits à l'esclavage et à la colonisation pour notre force physique. Force physique qui a construit l'économie européenne et américaine. Merci. Celui qui vous a... Voilà, c'est de donc notre cher ami Romain Pierre Mienagata, un savant congolais. Il faut qu'on se tienne la main dans la main pour nous soutenir. Ce n'est pas parce que ce savant n'est pas soundi qu'on ne peut pas le soutenir. Bwana Musundi. Il faut qu'on commence à nous tenir la main dans la main pour aller de l'avant. Alors, en parlant des Sundi, moi aussi, j'en ai rencontré quelque part. J'ai rencontré des Sundi quelque part et même il y a des gens qui m'ont dit, mais de quoi tu parles? Est-ce qu'on peut être à Cuba et se mettre à parler Sundi à Cuba? Est-ce que c'est possible? Non, on m'a raconté plein de choses. Moi, je me suis dit, je ne suis pas un intellectuel de salon. Je vais sur le terrain, j'écoute les gens. Et si ce qu'ils font est proche de Sundi, moi, je dis que c'est des Sundi si eux-mêmes, ils reconnaissent que c'est des Sundi. Je suis allé au Venezuela, au nord du Venezuela. Il y a une communauté Luango au nord du Venezuela. Mutamuntu va nous dire c'est quoi Luango, mais au nord du Venezuela, il y a des communautés Luango. Et ils le disent, ils le revendiquent. Je ne vais pas dire qu'ils sont Sundi, ils sont Luango. Donc voilà un peu avant de revenir, avant de revenir au débat, essayons de voir d'autres Sundi qui sont éparpillés dans le monde. Ok. Embisi mbisi ya bimba kwa bilanga. Embisi mbisi ya bimba kwa bilanga. Embisi mbisi ya bimba kwa bilanga. Embisi mbisi ya bimba. Embisi mbisi ya bimba kwa bilanga. Embisi mbisi. Je suis obligé d'arrêter parce que si je ne présente pas qui est en train de parler, on ne comprendra pas. Celui qui est au centre s'appelle Tatandi Musundi, Aldo Durades, né, grandi à Cuba. Mais écoutez-le comment il s'exprime. Écoutez-le comment il nous arrête. Il est en train de dire, voici ce que c'est que cette chanson. Mbizi mbizi yampimpa.
Donc, c'est un animal de la nuit qui vient nuitamment, Kubilanga, dans les plantations. Écoutez, s'il vous plaît, pour. Et puis après, on dira, est-il Sundi ou pas? Ok. Quentin? Mbisi ya bimba kwa bilanga. Mbisi mbisi ya mfinda kwa bilanga. Mbisi ya mfinda kwa bilanga. Mbisi mbisi ya mfinda. Mbisi mbisi ya mfinda kwa bilanga. Mbisi mbisi. Mbisi mbisi ya mfinda kwa bilanga. Mbisi mbisi ya mfinda kwa bilanga. Mbisi mbisi ya mfinda kwa bilanga. Mbisi mbisi kwa ina sulu kwa bilanga. Mbisi mbisi ya mfinda kwa bilanga. Mbisi mbisi kuka sulu kwa bilanga. Mbisi mbisi ya mfinda kwa bilanga. Mbisi mbisi isambia mungo kwa bilanga. Mbisi mbisi ya mfinda kwa bilanga. Mbisi mbisi Chila Congo kwa bilanga, mbisi mbisi ya mfinda kwa bilanga, mbisi mbisi mati mati kwa bilanga, mbisi mbisi ya mfinda kwa bilanga, mbisi mbisi eburu kwa mi kwa bilanga, mbisi mbisi ya mfinda kwa bilanga, mbisi mbisi efuma tendudu kwa bilanga, mbisi mbisi ya mfinda kwa bilanga, mbisi mbisi pepe tunga kuna zulu, mbisi mbisi ya mfinda kwa bilanga. Mbisi mbisi ebe mantuka kwenye zulu. Mbisi mbisi ya finda kwa bilanga. Mbisi mbisi melo melo no ya. Mbisi mbisi kwa finda kwa bilanga. Mbisi mbisi kuna chila kuna siepo. Mbisi mbisi ya finda kwa bilanga. Mbisi mbisi mwana keko cheche kwa ma. Mbisi mbisi ya finda kwa bilanga. Mbisi mbisi ipangi keko kwenda cheche. Mbisi mbisi ya finda kwa bilanga. Mbisi mbisi ya finda kongo cheche wa cheche. Cheche kwa ma ito fafu nindoki. Mwana keko mwana mundeli. Mpangi nketo mpangi mundele kwa toko mwana kuna yoyo tia mfinda cheche pa cheche mbemba kwenda nkunka nsulo mboa eritonda nsambi sambia mpungo sambia nketo sambia bilongo jaja tia mfinda duru kwame mu tata nkisi tatandi ndi bilongo nsi Urukwami, en toto kuna lungo, toto kuna lumbo, dia anfinga, Kongo musundi, Kongo musundi, cheche ba cheche, cheche, kwa mama sengo en bongolo, Kongo musundi, nandulu mbemba, Kongo musundi, cheche ba cheche, sambi ampungo, kuta, dia anfinga, urukwami, en toto fafu, en toto bilongo yaya, bilongo watiride, en sa, en tu, Lucena, En Cefo, Kikiri Menso, Jafinda en Kutu, en Sa, Tambi, el Kuswako, India, Suako, Lumbembo, India, Mbembo, en Combo, Checha, Bachete, Jafinda, Burukwame, en Tofafu Nduke, Lembe Yaya, Lembe Yaya, Bodi, Diabodi, Bilongo Wakinire, Bilongo Fumbe, Checha, Bachete, Jafinda, Kunasieto. Awe, en Chilango, kuna sieto, en Chilango, finda, en Chilango, kiaku, kiaku, diaboki, bilanguya. Donc voilà un peu, il s'appelle Tatan de Musundi, il est à Cuba, c'est un maître spirituel du Palo Mayombe. Il s'est dit, mais nous ne sommes pas un palo. Palo, ça veut dire le bois. Nous ne sommes pas un palo. Nous sommes des Musundi. Nous sommes des Sundi. Donc, il s'est dit qu'il s'appelle Musundi. Il a créé une très grande religion qu'on appelle Tatan de Musundi. Et il a, après, en 2011, quand on s'est vu à Cuba, il avait avec lui près de 65 000 adeptes Musundi, noirs, blancs, confondus, et ainsi de suite, métis et tout ça. Et il faut savoir que là, nous étions chez Tata Ndulumbemba, un ami depuis le Congo, depuis l'enfance, et
Il était venu en 2013 prendre part au congrès, le premier congrès des Congos, qui a eu lieu du 17 au 19 novembre 2013 à Paris. Allô, Tata Mwana Moussoud. Allô, revenons. Mwana Ndamba, Mwana Tekolondamba. Allô, vous avez écouté Tata Ndi Moussoud. Oui, j'ai bien écouté, enfin, c'est intéressant, mais ça veut dire que, comme dit mon grand-oncle, c'est-à-dire le frère de ma grand-mère, quand, il y a des fois, bon, il est encore en vie, heureux, pour moi, quand il y a des fois, je lui pose des questions, lui-même, il ignore, il me dit, mais comment tu sais ça? Ah. Pas plus tard qu'avant-hier, j'étais dans le questionnement et aujourd'hui, je me suis réveillé, j'ai la réponse. Est-ce que la réponse que j'ai est exacte? Avant de me répondre, il se met d'abord à pleurer. Il me dit, mais tu dois en souffrir. Tu es à la découverte des choses que tu aurais dû découvrir en étant ici, mais pas en étant au loin. C'était pour dire que lui, il me disait que Kandara Kouimba, c'est-à-dire la famille Kouimba, était très grande. Mais là, on parle des Soundi, parce que les Soundi étaient un groupe, non, les Kouimba étaient un groupe de Soundi. Mais quand il dit que les Kouimba étaient, c'était une famille très vaste, alors à plus forte raison les Soundi. Et Likia Bokolo fait les missions souvent sur les peuples du côté Kinshasa à qui on a coupé les mains. Voyez-vous? Est-ce que vous suivez? Si. Oui, mais ils ne donnent jamais le nom de ce peuple-là, de quelle tribu ils étaient. Quand les Basoudis se sont détachés pour s'éloigner de là où ils étaient, il y en a eu d'autres qui sont restés, et parmi ceux à qui on a coupé les mains, on retrouve aussi les Soundis. L'esclavagisme est arrivé. Beaucoup ont été emportés. Quand vous êtes j'ai lu dans le dictionnaire pluri Larousse, on nous représente les peuples bantous d'Accra, habillés en peau de léopard. Voyez-vous? Mais pour moi, selon moi, probablement, ce sont des Soundis aussi. Vous allez chez les Cap-Verdiens. Regardez leur danse traditionnelle, c'est comme chez nous, Ngoma Yangi-Yangi. La danse que dansent les Soundi. Exactement pareil. Et notre frère qui est à Mayotte là-bas, quand il dit, quand il raconte l'histoire d'une dame, il lui dit Ntuika. Vous voyez? Donc, un mot, une expression qui te sonne les tympans, dis-toi que ou ameno. Mais le Congo, dans la culture Congo, il n'y a pas que les Soundi. Il n'y a pas que les Soundi. À t'entendre, il n'y a que les Soundi. Non. Moi, je suis Soundi, je parle de moi, Soundi. Hein? Je nettoie d'abord chez moi. Soundi. Oui. Oui. Mais ça ne m'empêche pas de parler aussi des Bayaka qui ont disparu, des Bayombe qui ont disparu. Hein? Non. Les Bayaka étaient des Soundi, étaient des Congos. Les Bayombe étaient des Congos. Donc, dans le Congo, il y a eu plusieurs peuples. Certains ont disparu. Mais dans les grands lacs, quand on nous parle du royaume au Congo, que moi j'appelle plutôt Ndiotila ya Congo,
ça a été fait par les Basundi avec l'appui des Yaka et des Yombé. Parce qu'il fallait les appeler en tant qu'anciens. Voyez-vous, il y a le vice-ministre, le vice-président bolivien qui avait fait un discours d'investiture. La vidéo m'avait été envoyée par un grand frère qui est aussi au Congo là-bas. Il m'a dit, Mpangi, écoute. Quand j'ai écouté, dedans, l'expression Chiwisa, faisons appel à l'esprit Chiwisa pour l'unité. Un Bolivien, faisons appel à l'esprit Chiwisa pour l'unité. Mais est-ce qu'il faut un interprète au Congo pour expliquer, pour interpréter ce qu'il est en train de dire? Non. Hein? Faisons appel à l'esprit Chiwisa pour l'unité du peuple. Soyons dans la justice avec l'esprit Kisamba. Ce sont des Congos, mais je ne pourrais pas dire que ce sont des Sundis. Ce sont des Congos, ils sont dans cette culture linguistique Congo. Mais ils sont partis d'où, eux? Mais regardez l'autre tableau ici, là. Hein? Tu vois ça, le tableau, là? Oui. Ce tableau, là, je vais le décrocher, te le montrer. Regarde bien. Ah. Oui, ça brille un peu. Oui, je vois. Voilà. Ce sont... Ça s'appelle les mandalas. Oui. Ça s'appelle les mandalas. Oui. Les mandalas en France, ce sont les dessins, des dessins vides de couleurs qu'on donne aux enfants pour le coloriage. En France, ils appellent ça mandala. En fonction de leur relief régulier. Mais c'est un tableau asiatique. Ce nom mandala ou mandarou, je l'ai retrouvé dans les chroniques mésopotamiennes quand la Mésopotamie était encore le foyer Congo. Il y avait une divinité mandalou. Voilà là où est parti les tapis qui était considéré comme sacré pour un rituel. Cette façon de faire a été développée par les Asiatiques. Et c'est ça qui a donné le nom Mandarou, Mandalay, hein? Leur langue qu'ils appellent mandarin. Tapez sur YouTube ou Wikipédia. Que veut dire mandala? C'est une expression utilisée par les Asiatiques qui signifie tapis sacré sur lequel on fait des rituels. Ok. Au Venezuela, on a dit ça plus fort que vous. À Cuba, on a dit ça plus fort. Tout le monde, hein? Allez, reprenez là. Pourquoi fait... vous faites comme ça? Bon. Une fois ici. Vois oh. Que tu vas dire. Waouh! Bakaïtoué! Content d'aller!
Alors, pour ceux qui viennent de prendre la balle au bon, nous sommes Malaki Afro Congo TV. C'est la télévision tricontinentale de Malaki Makongo. Nous sommes là pour dire aux petits-fils de nos petits-fils ce que les parents de nos parents ont vécu. Il y a avec nous dans le studio Mutamuntu Batota, Guillaume Batota Amvuri. Alors, il est en train de nous dire des choses extraordinaires. En fait, dans le fond, ce qu'il fait, c'est de pouvoir, à côté de ce que nous pouvons lire, essayer d'abîmer la langue, la dimension linguistique à ce que nous lisons. Quand vous avez cette dimension linguistique, ça peut vous permettre de comprendre plein de choses. Alors, essayez d'aller plus loin maintenant. Dites-nous, quelle est la place des Congo, des Soundi, puisque tu n'aimes que parler des Soundi, en Égypte? Les Soundi n'étaient pas encore nés en Égypte. Quand l'Égypte était, les Soundi n'étaient pas encore. Mais les ancêtres des Soundi, à savoir les Bayaka, les Bayombe et les Lunda, ont fait l'Égypte. Ils ont fait l'Égypte. Preuve, quand vous prenez l'expression pharaon, qui veut dire Mangudi Congo, c'est tout simplement ça. Maintenant, au-delà de l'Égypte, vous prenez l'expression Yala, qui donne aujourd'hui le dieu des musulmans, Allah. Oui, oui. Parce qu'il faut n'attendre mieux. Allez, vas-y. Vas-y, parce que je peux t'arrêter là. C'est parti. Il y a Bimba Yamam. Yamam, oui, Kani. Quand vous prenez l'expression Yala, qui signifie chez nous, Louyalu, ça vient de là. Chez nous, Louyalu vient de Yala. Mais en Égypte pharaonique, la divinité était une déesse. Et quand la lune influençait la femme qui rentrait dans sa période menstruelle, il fallait qu'elle aille se purifier, Kekayala. Et la femme qui mettait au monde des jumeaux, on l'a déifié, Banyarishi. D'où la chanson Mamangudi Kongo Yalaka. Yalaka. Yalaka Batimba. Yalaka Batusi. Yalaka. Bien. Voilà. Donc, ça, cette femme qui mettait au monde devenait en quelque sorte une sainte commune. Le catholicisme a plagié la Sainte Vierge Marie. Voilà. Voilà ce que les Soundis ont récupéré de l'Égypte par Meroé et Soudan. Mais ceux qui étaient en Égypte, ce ne sont pas les Soundis. Ce sont une partie des restes de Lunda, les Bayombe et les Bayaka. Voyez-vous? Maintenant, c'est pour ça qu'aujourd'hui, quand vous partez de l'Angola, vous allez retrouver les Bayaka et vous allez remonter tous les pays que vous allez croiser de chez nous avant d'arriver en Égypte, là-bas, même au Kenya, vous allez croiser les Bayaka. Jusqu'à aujourd'hui. Mais les Bayaka, ce sont les descendants des Bayombe et des Lunda. Voilà, c'est pour ça que je dis que les Soundis ont
bénéficier de ce, du modernisme, de la culture moderne. Méroïtique, Méroé était la capitale du Soudan. Mais Méroé avait tout récupéré de l'Égypte pharaonique. Vous cherchez dans les Grands Lacs, les seuls peuples ou tribus qui sont dans le régime matriarcal, ce sont les Soundis. Les autres sont dans le régime patriarcal. Voilà ce que les Soundis ont gardé de l'Égypte. Maintenant, ce que les Tékés ont gardé de l'Égypte, c'est Mbakoko. Les prêtres, les rois en Égypte, ils portaient des casques. Sur le front, il y avait la tête du cobra. Mais le cobra, c'est quoi chez nous? Mbakoko. Et par abus de langage, ils ont mis Makoko. Donc, ce sont des Congos aussi, les Tékés. Je me tue de le dire. Si eux, ils ne veulent pas reconnaître qu'ils sont Congos, tant pis pour eux. Mbakoko. Mais moi, je découvre des détails qui prouvent qu'eux aussi, ils sont Congos. Mbakoko, Makoko. Oui, voilà. Mbakoko. Et là-bas, la justice était gérée par le dieu Mbakoko. D'où l'expression ta. Quand nous disons je parle, tanita ta, cette expression était employée dans le cadre juridique. Et en dehors de ça, disait vovanita vova ou zonzanita zonza. Mais dans le cadre de la justice, on disait tanitata. Et compte ça, ta, où tu vis, où tu meurs. C'est parler donc. Voilà. Donc, prononcer une sentence, télé. Ngempasizenako. Mpasizenako. Mpasizenako. Sana.
kutana Mahabalabani Mahabalabani Mahajitwenjenwe Mahajitjatenwe Mahajitwenjenwe Mekana sale Mekana sale Muzila banzao En tout cas, c'est un grand jour aujourd'hui. On est en train de découvrir immensément des choses. Alors, le temps, nous n'avons plus assez. Alors, le livre, il sort quand? Le livre, il sort quand? Comment est-ce qu'on peut le voir encore, ce livre-là? Oui, oui, mais il faut, parce que je ne peux pas publier les autres tant que celui-là, il n'est pas sorti. Bon, il était déjà sorti. Hein? Il était sorti parce que j'étais pressé. Ça faisait 10 ans que je l'avais écrit, hein? Et il fallait que je le sorte. Une fois que je l'ai sorti, première sortie, stock épuisé, je dis bon, il faut que j'apporte les corrections. Bon, c'est par rapport à l'orthographe, hein, et puis, hein, mais je pense que dans 3 mois, il faut qu'il sorte. Muntu. Dans 3 mois, il faut qu'il sorte. C'est, nous l'avons au centre là, Muntu qu'il aurait dû être, qu'il aurait dû être. Essaye un peu de nous édifier à ce propos. On aurait pu être des Bantous, mais est-ce que nous sommes y arrivés? Parce que même, bon, je n'ai pas fait exprès. Le gros titre, Muntu qu'il aurait pu être, il n'y a pas de point, il n'y a pas de point d'exclamation, il n'y a pas. Voilà quoi. Hein, donc, qu'est-ce qui m'a inspiré pour que ça reste comme ça? Parce qu'aujourd'hui, quand on dit que nous sommes des Bantous, non, on n'est pas des Bantous. Nous ne sommes pas des Bantous. Voilà encore. Est-ce que ça serait méchant de recadrer aussi cette identité abusée? Hein? Il y a un chercheur... Teke, et qui dit que les Bantous viennent du Cameroun, comme si le Cameroun était le berceau des Bantous. Alors que c'est faux. Il dit bien Bantou. Oui. Bantou. Bantou est le pluriel de Muntu. Muntu. Ça, c'est la définition actuelle, mais abusée. Or, au départ, Muntu était la divinité mère, épouse du dieu Amon, dans la société pharaonique. Les Congos partent toujours de 3-3-3-3-3. Makuku Matatu. Le dieu Amon avait pour épouse Muntu. Et ils avaient une fille, Nkusu. Les trois représentaient des divinités principales dans le dogme Congo, mais en Égypte. Maintenant, quand l'Égypte tombe, Meroé va récupérer ce concept-là. Il amène ça au Soudan, voilà, la religion dans laquelle... La divinité est Muntu. Mais là, au Soudan, il va être représenté, mais maintenant par la hyène, pour consolider le régime sociétal matriarcal. Parce que la hyène, dans le milieu sauvage, c'est la hyène qui gère le clan. C'est la femelle qui gère le clan.
Alors, dans le même sens, pour essayer d'apporter le Muntu, c'est l'humain, c'est l'homme, c'est l'humanisme. Le Muntu, c'est pourquoi dans ce livre-là, il est dit le Muntu qui aurait pu l'être. Oui. Muntu, c'est l'être, c'est la suprématie de l'humanisme, c'est le niveau le plus élevé de. Oui, l'humanisme. Oui, c'est ça. C'est pourquoi. Comme on dit chez nous, Banati Muntu. Mm-hmm. Banati Muntu. Voilà. Donc, ça va enrichir le vocabulaire des Sundi. Sati Muntu, Banati Muntu. Soit comme la divinité Muntu. Voilà. Mais or, si les Sundi avaient dominé le monde jusqu'à aujourd'hui, tous les êtres humains allaient être des Bantous. Donc, par abus de langage, Muntu devient un terme générique qui désigne l'être humain. Alors, dans le même sens, nous, au niveau de Malaki Makongo, pour essayer d'approcher cet humanisme, cette humanité que nous revendiquons avec force, nous avons, dans le cadre du plan quinquennal de Malaki Makongo, nous sommes en train de créer 10 villages. Nous allons chercher 10 villages. Dans ces 10 villages, il y aura l'espace d'accueil où on va accueillir les gens. Il y aura là où ils vont vivre, c'est ici. Il y aura des écoles de formation. Il y aura un espace pour le réseautage, parce que nous allons rentrer en réseau avec tous les autres villages, les 10 villages, mais aussi nous serons jumelés avec les universités, les associations, les États, les villes qui vont vouloir travailler avec ces 10 villages et les afro-descendants qui vont venir. Quand ils vont venir en Afrique, dans cette maison-ci, pendant 3 mois, ils vont y vivre le temps qu'ils veulent. Ils pourront tout payer sauf là où ils vont dormir. Donc, on va promouvoir l'élevage, le tourisme, l'agriculture. Dans chaque ville, dans chaque village, il y aura une banque éthique africaine. Voilà un peu ce que nous voulons faire. Maintenant, quand tous ces villages-là, quand on pourra créer ces 10 villages, dans 5 ans, parce que c'est un quinquennat, c'est le deuxième plan quinquennal de Malaki Makongo, à partir de ce moment, la province de Nsundi va devenir le royaume de Nsundi. Et n'allez pas chercher le roi ailleurs, c'est celui qui vous parle. Ok, attendez, bien soutenu. Oui, oui, grand. Moi je peux pas dire non. Je dirais pas non. Mais je suis partant. Je suis partant, mais c'est comme a dit l'autre, le correspondant Fabrazaville, qui a parlé. C'est pas, si j'ai bien compris, il a voulu dire, ce sont les peuples qui font une nation, c'est pas la terre qui fait une nation. Donc, où que nous soyons, retrouvons cette identité nationale Congo. Vous voyez, vous n'allez pas dire à ceux qui sont à Cuba de venir dans le Congo. Alors que nous qui sommes là, pourquoi pas? Comment va-t-il à Tukuma? Ah non. Un bon Tukuma, mais oh, tu bois, tu kéri. Tu bois, tu kéri. Il y a un proverbe où il disait Barian Sekeri Fouari, ça savait. Hein? Ouais. Ça, c'est quand Brazzaville était en train de se construire, dans chaque palais, dans chaque parcelle, poussait le Barian Sekeri. Mais aujourd'hui, repartez à Brazzaville.
Il n'y a plus de parcelles où il pousse ce fameux bas. Voilà. Donc, c'est là où encore vous trouverez que je suis un. Quand mon père était en Égypte, en 1915, je pense, 75-76, les Coptes, les gardiens des temples, lui avaient dit, mais où êtes-vous partis? Où êtes-vous partis? Parce que les momies qui sont ici, les mystères qui sont ici, n'écoutent que vous. Où êtes-vous partis? Parce que les momies qui sont ici, les venir. Mabaman Seke, Madafwa, Manabutuka. L'Égypte nous appelle. L'Égypte nous appelle. Les pharaons égyptiens nous appellent. Il faut, dans cette reconstruction qui est en train de se faire, il faut que ces puzzles qui sont en train de se reformer, on puisse ramener le Chimuntu. Pas seulement au Congo, mais aussi en Égypte. Pourquoi pas? D'abord, en nous-mêmes, retrouvons cet état qu'on qualifie aujourd'hui de Chimuntu. Parce que nous l'avons perdu. Où que nous soyons, nous devrons refléter cet état d'esprit Chimuntu. Avant tout. Voilà. Ah, ça, c'est donc, merveilleux parce que. C'est là que je dis que Chimuntu, c'est un état d'être, mais ce n'était pas un peuple, comme l'a dit notre grand chercheur, dont je ne citerai pas le nom. Il a écrit un livre, Muntu langue, Muntu peuple, Muntu civilisation. Mais non, non. Muntu n'a jamais été un peuple. Muntu n'a jamais été une langue. C'est comme si on disait que chrétien, c'est une langue. Chrétien, c'est un peuple. Non. Hein? L'état d'esprit Chimuntu, c'est une personnalité, comme on dit, sois sage d'abord envers toi-même. Une fois que tu réussis de te montrer sage, tu pourras pas enfin l'exprimer auprès des autres. Voilà là où moi, je ne suis pas d'accord avec ceux qui nous égarent. En tout cas, nous sommes arrivés à la fin. Ce qui est important, c'est d'avoir échangé. On a dit des choses peut-être qui ont blessé des gens. Que celui qui a été blessé le dise ici. C'est ce que je suis en train de dire. Certains n'auront pas la possibilité de le dire ici. Mais ce qui est bien, c'est que chacun puisse regarder dans son background, que chacun puisse faire des recherches de telle manière qu'il puisse un jour venir ou nous contredire, pas moi, mais tout à fait, ben oui. Parler, oui. Ou sans contradiction, mais essayer d'amender ou d'ajouter ou de présenter sa manière de voir les choses, c'est notre volonté de travail. Alors, il faut donc remercier Maman Clotilde et Pape Sirdef qui a été très, très, très présente. Et nous a dit aussi que quelque part ça buguait. Makoko, l'initiateur, mais on vient de nous dire c'est Makoko, mais tout ça c'est la même chose. Elle nous a dit que c'est passionnant, on apprend, hein. En tout cas, merci beaucoup tous ceux qui ont pu être avec nous, tous ceux qui ont pu nous suivre.
C'est une bonne chose. Nous sommes Hervé Ngonifumba, bonjour. Cathy Imana, bonjour, 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 bonjour. Ce que je voulais dire, avant de donner la dernière parole à notre cher invité Batota Mvuri, on va écouter ceci. C'était notre frère chef Congo, c'est Gabriel Kinsa. C'est lui qui, il était présent au congrès des Congo. Oui, il était présent au congrès des Congo et il nous a donné la musique que vous venez d'entendre. En tout cas, votre dernier mot, cher Guillaume Batota Amvouri. En tout cas, c'est avec un grand plaisir, hein, un grand plaisir, Malakima Congo, de me donner cette opportunité de m'exprimer à travers votre structure. Moi, mon but, c'est d'apporter les détails clairs sur notre historicité. Moi, la mythologie ne m'intéresse pas parce que la mythologie peut être cassable demain. On nous encourage de rester dans la mythologie pour que les autres arrivent et le casser facilement. J'étais un jour sur la scène, hein, chez les bouquinistes là. Or, on a nos frères fanatiques kémites. Ils sont là-bas en train de parler. Oui, l'Égypte. Il y a un vieux français qui arrive là qui dit, mais l'Égypte dont vous parlez, ce n'est pas à vous. Hein? C'était l'Égypte des Cléopâtre. Non, l'Égypte. Il dit, mais non, ne criez pas non. Donnez les arguments prouvant que Cléopâtre était une usurpatrice. Quel argument vous avez? Mais quand vous rentrez dans les expressions abusées, vous n'avez aucun argument. Hein? Mais soyez dans le réel. Et moi, ma lutte à moi, c'est d'amener mes frères de sortir dans cet esprit fanatique, mais d'être plutôt critique. Hein? Il y a des polémiques qui doivent être encouragées mais dans le but d'avancer, pas les polémiques négatives. Notre histoire, c'est notre richesse. Notre culture est notre richesse. Mais ne la laissons pas auprès des autres. Ils nous ont tout pris. Mais la base de ce qu'ils ont pris, nous l'avons. Mais partageons-la. C'est ça qui fera la force de nos enfants et les enfants de nos enfants. En tout cas, je suis très heureux de vous avoir reçu, d'avoir partagé ces beaux moments, ces moments de critique, d'autocritique. Donc, pour ceux qui viennent de nous suivre, nous sommes Malaki, Afro-Congo TV. Tout le monde a parlé, tout le monde a dit. Ils ont aussi dit des Congos, ce qu'ils ne savent peut-être pas. Aujourd'hui, nous nous donnons la possibilité de dire, nous donnons la possibilité au Congo de dire qui ils sont et qu'est-ce qu'ils veulent être, qu'ils ont été dans le passé et qu'est-ce qu'ils veulent être demain. En tout cas, c'était notre rencontre. Merci beaucoup, Mbuta Muntu. Merci qui nous ont écoutés. Oui, Mbuta Muntu. Namatondo m'amène au Kobeno. Matondo. Alors, merci beaucoup. On va se retrouver sûrement
ce vendredi dans le Kikongo pour voyage. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Mutamuntu. C'était un grand plaisir. Merci beaucoup. Enfin, tout le plaisir était pour moi et je suis dispo, hein, parce que j'ai la joie d'expliquer, de raconter ou de partager ce que je découvre, moi. Hein. Voilà. Mais une autre question, un autre point, c'est bon de dessiner là. Conseillez-les aux enfants, achetez-les pour vos enfants, les voleurs de Carthage. Il y a deux tomes. Voleurs de Carthage. Ok. Carthage, Carthage était Congo. Ok. Vous allez donc nous envoyer le... Non, l'image. Vous allez au Furet, Amazon, n'importe quelle librairie, commander les voleurs de Carthage. Okay. Ou quand vous regardez les films Spartacus, vous allez retrouver dedans les détails Congo. Ok. Voilà. Ça. Merci, Mwana Musundi. Bakalada Saning. Ça, c'est beau. Merci beaucoup. Donc, oui. Le prince de Nsundi, Masengo Mabongolo. Mwana Ndamba Yangolo. Bukatate. Diangolo Nwangolo. Donc, merci beaucoup, Masengo Mabongolo. Au revoir et notre cher ami Batota Amvouri, nous disons au revoir. Donc, c'était notre émission Malaki Makongo Show de tous les dimanches. Merci et à nous revoir prochainement. L'émission a été organisée, préparée. Remercie vivement les Malaki Makongo qui a voulu songer et penser à adresser une invitation à Bundu Dia Congo de participer à ce forum d'une grande importance historique. Longa Congo a dit, un peuple qui perd sa langue et qui oublie sa culture ressemble à un arbre déraciné, tôt ou tard fanera. Aïe, tate, mon
nous.